Yop, salut tout le monde, c'est Duduz, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo, on déballe un carton, un unboxing de ouf. Comme vous l'avez vu sur la miniature, le colis, il est vraiment XXL, il est énorme. Il est à peine rentré dans le cadre pour vous dire pour la miniature. Donc vraiment, vraiment, il est énorme. Restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être ultra lourd, vous allez voir. C'est vraiment un colis de ouf pour la chaîne YouTube, vous allez tout comprendre. C'est un colis de ouf. C'est un colis XXL. Bref, vous allez voir tout. Vous allez voir aussi l'envers du décor de la chaîne YouTube. Parce que c'est forcément pour la chaîne YouTube. Voilà. Il est juste là, le petit colis. Oh, j'en dis pas plus. Je vais le laisser là. Bref, du coup, juste avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner directement en activant la cloche des notifications. C'est super important pour être alerté de toutes les prochaines vidéos. C'est un colis super fragile. L'ensemble, en vrai, n'est pas fragile. Mais il y a 2-3 éléments qui sont pas mal fragiles. Et on va voir si... Bon, je pense que tout simplement, c'est pas cassé. Mais on espère... Tout simplement, c'est pas moi qui décide, le colis il est arrivé comme ça, je l'ai juste posé là. On attend un peu de faire la vidéo, que je mette tout en place. La petite paire de ciseaux pour ouvrir le colis. Et c'est parti, on va ouvrir le colis, hop. Alors, toc toc toc. Non. Et voilà. Voilà le beau bébé. Non, ça rentre toujours pas dans le cadre. Ouais, même comme ça, non. Bref. Ok, déjà on va commencer, hop. Premièrement, on va le poser sur le côté. Maman, c'est magnifique. Il y a ça. Un deuxième. Parce que oui, en gros, c'est deux gros trucs. Et dedans, il y a des petits trucs et tout. Du poli. Ça, c'est ce qui est fragile, sa mère. Oh, ça sort même pas. Ouais. Je suis pas ouf là. Non, la vérité. Dieu merci. Ok. J'espère que c'est pas pété. Par contre, c'est tartan gros pour ce que c'est. Non, apparemment, ouais. Donc voilà, la première ampoule qui est sortie. Hop. Voilà, ouais, c'est comme ça. C'est bien une ampoule. Comme ça. Ah, elle est énorme. Là, je pense que je vous captais pas encore ce que c'est comme truc. Je pense que vous captez pas encore. Alors, ça. Je vois à peu près ce que c'est, mais je suis pas du tout sûr. On va mettre ça comme ça pour pas que ça tombe. Alors, il y a un deuxième du coup. Ça, c'est le truc d'utilisation, les manuels. Ça, hop. Et la dernière ampoule. Le colis. C'est bon. Ça, c'est comment ça? Celle-là, elle est beaucoup mieux protégée. Ouais, sinon, non. Je l'ai ouvert dans mon essence, là. Encore une fois, hop, voilà. Faut pas que je la fasse tomber. C'est encore une fois la même. On va ouvrir ça. Du coup, on n'en ouvre qu'un à chaque fois. Et après, on verra après le montage, tout simplement. Ça finit comme ça. Alors, c'est quoi ça? Ok, ça, je vois ce que c'est. Vous allez comprendre après. Je vous montre ce que c'est, mais je pense que sur le coup, vous ne comprenez pas trop. Et ça, j'ai bien compris ce que c'est. Oh là là. Ouais, bon, là je pense que vous avez compris. Ceux qui sont un peu dans l'univers de YouTube, je pense qu'ils ont compris. Bon, ben là, il y a... Je pense que tout le monde a compris, clairement. C'est tout simplement des lumières. Voilà. Avant, j'ai commencé YouTube avec le micro, la perche et tout ça. Et là, je me suis dit, pour l'hiver, comme il va faire un peu plus nuit, plus sombre dans les vidéos, mais je vais pas que les vidéos perdent... De la qualité visuelle, tu vois, t'as capté parce que c'est trop sombre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commander des grosses lumières. Et là, c'est chose faite. Et après, on va ouvrir le support lumière, tout simplement. Parce qu'il faut quelque chose pour tenir en hauteur. Et c'est tout simplement des trépieds. Alors, c'est pas des trépieds vidéo, mais c'est des trépieds de lumière, tout simplement. Hop. Alors, comment ça se fait que je pète pas tout déjà? Ah ouais, par contre, le plastique, frère. Accroche-toi. Ok. Apparemment. Par contre, la qualité, je vais pas vous mentir, c'est pas de ouf. Ok, hop, comme ça, on va le mettre comme ça. Ouais, c'est comme ça, vous pouvez voir, c'est du bon gros plan. On se retrouve juste après que j'ai tout monté. Donc, ça veut dire la parabole avec la grosse lumière et le petit trépied. Voilà, j'ai enfin réussi à monter la petite
Softbox, voilà le pied comme vous pouvez voir avec l'ampoule. Oh, je l'ai pas encore allumé, on va voir ensemble. Putain, c'est tarpin lumineux, regardez. Oh, aïe aïe aïe. Oh, c'est beaucoup plus lumineux ça. Non, là, j'avoue, elle est proche et tout. Et c'est incroyable. Hop, et justement, on va mettre ça dessus. Ça, c'était le truc un peu mystère de tout à l'heure. Hop. Ça doit servir à clarifier la lumière, un truc comme ça. Je m'y connais pas honnêtement. S'il y a des ingénieurs dans la lumière parmi vous, dans les commentaires, manifestez-vous. Mais c'est la frappe, la vérité. Hop, voilà. On va positionner ça. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus lumineux. En vrai, j'aime bien, je kiffe, je sais pas. Genre, t'as la caméra là, la petite softbox là avec de la lumière. C'est beaucoup, beaucoup plus lumineux déjà, même s'il y a une partie plus sombre là. Mais dans les prochaines vidéos, il y aura une softbox là et une softbox là. Comme ça, ça permettra d'équilibrer un petit peu tout ça. Un peu d'équilibrer toute la lumière, en fait, tout simplement. Là, une softbox, donc un point lumineux, ça déséquilibre totalement la lumière. Mais c'est la frappe, la vérité. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a tout, chez moi derrière. Mais c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout, même s'il y a le côté ombragé là. Mais ouais, ça éclaire beaucoup mieux, je suis beaucoup plus clair. Je pense que la qualité aussi va être meilleure. Voilà, on va pas se le cacher, donc c'est plus, ça sera plus lumineux, ça sera... Voilà, il y aura la qualité lumineuse, la qualité audio, la qualité vidéo. Bon, après, je sais qu'elle est pas folle et tout, mais ça va. Donc voilà, t'as capté. Oh, ça fait plaisir en vrai. Juste avant de terminer la vidéo, n'oublie surtout pas de liker, de t'abonner directement en activant la cloche des notifications. Et je le répète surtout, qu'on vise 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, Road to 1K sur la chaîne YouTube, mes réseaux sociaux à l'écran et en description. Aussi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez du colis, dites-moi si vous comptez acheter ces softbox, si vous êtes YouTubeur, dites-moi un peu ce que vous pensez de la vidéo. Bref, voilà, je vous attends nombreux et nombreuses de ce côté-là en commentaire. C'était Duduz.